Ils sont plus de 400 pour les derniers briefings, qui doivent réussir en 72 heures la bascule de Poissy. L'enjeu de la bascule est simple. Sur l'un des tronçons les plus denses du réseau ferroviaire de l'ouest de l'Île-de-France, 58 aiguillages commandent les circulations de plusieurs centaines de trains chaque jour. Des trains transiliens, des RER A, des TER Normandie, des trains de fret, ces 58 aiguillages sont la clé de la fluidité du trafic. Il faut permettre à un train direct de ne pas être ralenti par un train omnibus. Changer l'ordre de passage des trains. Neutraliser une voie si un train connaît une défaillance tout en permettant au trafic de s'écouler sans heurts sur les autres voies. La bascule, c'est la digitalisation de l'ensemble du secteur. C'est pouvoir commander tous ces aiguillages simultanément de façon centralisée, en temps réel, pour accroître la régularité des trains. Sans jamais interrompre la circulation des trains, tout a été préparé depuis 18 mois. Installation des futurs équipements digitalisés, raccordement sécurisé, test de chaque équipement, test de connexion, test d'interaction des équipements, essai de tous les scénarios possibles. Toute la bascule a été prétestée, mais maintenant on bascule en réel. Ce soir, le dernier train reliant Paris à Mantes-la-Jolie vient d'arriver à son terminus, guidé par l'ancien système. Maintenant, pendant 3 jours et 3 nuits, les circulations ferroviaires sont exceptionnellement interrompues pour basculer dans le système digitalisé. Les équipes coupent définitivement les anciens raccordements. Les équipements sont de nouveau testés en situation cible et l'on active le nouveau poste de commande. Puis des trains d'essai entrent en service pour contrôler le fonctionnement en situation réelle. Toutes les mesures, tous les contrôles remontent au poste de pilotage, qui s'assure que tous les tests, tous les contrôles donnent les résultats attendus. Et au moindre doute, elles déclencheront de nouveaux tests, de nouvelles vérifications. Jusqu'à ce moment. C'est la signature de la fin des travaux et de la mise en service du nouveau système de commande des circulations sur tout le secteur d'Achères, Poissy, Vernouillet. Maintenant, le nouveau système est entièrement prêt à délivrer ses promesses. Des promesses au service des clients de tous les trains de demain et pour des années.